T'as pas besoin que je mette d'écouteurs, tu m'entends? Non, c'est parce que moi j'étais obligée de mettre les écouteurs. Bah, il faudra demander hein, si on nous entend correctement. Ouais, on va faire ça. Et bah, écoute, on est en live, c'est superbe. Normalement, ça devrait être super. Bon, on a un petit peu en avance, donc c'est normal qu'il n'y ait personne. Et puis, il y aura du replay. Donc, on va laisser tout le monde arriver doucement. Le temps qu'on règle vite fait le son, c'est nickel pour moi. Alors, ouais. Moi, je suis prête. Alors, ça c'est prête, Florence. Ah, moi, je suis prête. Bon, écoute, pour tout le monde qui sont derrière, qui vont arriver tout doucement, déjà, on va les laisser arriver. Rebonjour ma Florence. Rebonjour ma belle Eugénie et bonjour à tout le monde. C'est une énorme joie, comme je te le disais avant qu'on soit toutes les deux en privé, de te retrouver pour les lives dans Ouvrons nos livres sur la médiumnité. Oui, un roman aujourd'hui pour la reprise avec fraîcheur. Et je peux te dire, oh j'en ai des frissons, parce que ton roman, La promesse de l'archipel, est top, top. Top. D'ailleurs, je lève les mains en l'air comme ça parce que je te jure, c'est un roman qui donne beaucoup d'émotions pour cet homme qu'on va parler. On va expliquer tout ça au fur et à mesure du temps. Mais en tout cas, c'est une belle reprise de Florence Tassoni, qui est auteur et qui est à Bali. Et là, on est en France, heure française, 9h, 9h05. Chez toi, il est 16h ? Il est 15h chez moi. Ah, je pensais qu'il était 16h. Ouais, bah j'ai dû me tromper quand je te l'ai dit. Mais oui, tu m'as dit 16h. D'accord, c'est pas grave. Parce que tout à l'heure, j'ai un rendez-vous à Nouméa avec Nicolas. Voilà. Ah, super, bisous bah, Nicolas. Nicolas Pélissier, que j'embrasse, il nous regarde. J'ai rendez-vous juste après lui pour faire un petit compte-rendu. Eh bien, écoute, c'est superbe. On embrasse tout. Ah oui, alors, est-ce que Florence, tu vois bien les personnes qui écrivent? Absolument pas. Alors, je vais t'expliquer une chose, parce qu'on reprend les petits rituels que Eugénie a perdu depuis 2 mois. Ça fait 2 mois que je n'ai pas fait de live, mais je voulais le refaire en beauté. Et avec Florence, un roman, on repart doucement, un roman, une belle histoire de la spiritualité, de la médiumnité aussi dedans. Et je peux vous dire, ça décroche, on va y aller. Expliquer tout ça, franchement. Pour ceux qui arrivent, bah déjà coucou Dominique, toi tu ne vois pas tout le monde. Alors c'est là où on va y aller. Normalement, dans ton côté, Florence, tu as comment sur ta gauche, sur ta droite. Oui, oui. Oui. Ah, alors, oui. Tu cliques dessus. Ah, mais oui. Voilà, ah, tu as tous les commentaires. Tu as vu, je n'ai pas perdu tant que ça la main. En revanche, je ne vois pas les noms en dehors de Dominique. C'est normal. Alors, c'est normal. Parce qu'en fait, les personnes doivent cliquer le lien au-dessus. Et ce matin, vous allez me punir, j'ai oublié de le mettre. La, 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 la. Alors, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave parce que quand on va couper le live à la fin, on aura tous les noms et prénoms des personnes. C'est juste pendant le live qu'on les voit pas. J'ai oublié. Bah oui, j'ai perdu l'habitude. Ok. Alors, je suis désolée, je ne peux pas vous nommer pour tous ceux que je ne vois pas. Vous êtes nombreux. J'ai vu un coucou de nommer à les filles. Alors, je sais pas qui c'est. Anne-Hélène, Véro, Fabie ou alors Nicolas. Certainement. Je vois qu'il y a Daniel Ronchin. Dominique. Oui. Moi, j'ai les prénoms, Et ouais, mais... Ah oui, alors j'ai une Minette qui demande à sortir. Excusez-moi. Bah, va voir, va mettre Minette dehors dans le jardin. Et pendant ce temps-là, moi, je dis coucou à tout le monde. Bon, on est excités aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver. Voilà. Coucou Chippy. Oui, tout le monde nous dit bonjour. Coucou. Coucou tout le monde, coucou pour tous ceux que je ne vois pas leur prénom et nom, mais on les verra tout à l'heure. Oui, moi aussi. Parce que j'aime bien répondre toujours au petit live après. Bonjour Luxembourg, ah ça doit être Joël Payfer, parce que bonjour Luxembourg, je pense que c'est Joël. Quelqu'un nous dit qu'elle est en train ou qu'il est en train de peindre en nous écoutant, mais c'est merveilleux. Ah, sérieux, qui c'est? Je ne sais pas. Ah, c'est peut-être Clémentine. Ah, si c'est toi Clémentine. Là, franchement, c'est un beau cadeau. Ah, c'est Nicolas qui a Nouméa. Ah, c'est Nicolas avec ses petites mains. Bon, Nicolas, tiens le coup, j'arrive tout à l'heure pour parler. Bisous Valérie Traîneau. Bisous à tout le monde en tout cas. C'est vraiment une joie de te retrouver, Florence. Parce que déjà, tu es une personne qui participe énormément au groupe. Et ça, j'aime bien. J'apprécie beaucoup. et ça me touche. Et non seulement ça se ressent dans tes livres.
Alors, pour ceux qui connaissent Florence et pour ceux qui ne connaissent pas, avant, tu étais juriste. Dans une autre vie. Oui, je sais, tout le monde n'est pas parfait. Absolument. C'est ce que tu mettais dans ton premier livre, d'ailleurs. Tout le monde n'est pas parfait. Hein, et ça, j'ai retenu. Tu as écrit Une âme à une autre, qui a été un merveilleux livre sur ton père, où là, on a eu énormément d'émotions parce que bah, c'était sur le pardon. Voilà. Je fais la promo. Ouais, non, mais c'est une belle promo, moi, je te le dis, parce que ça vaut vraiment le détour pour ceux qui veulent pardonner, laisser la vie faire aussi, parce que voilà, pour l'histoire de ton papa qu'on embrasse bien fort, avec ce beau cœur qu'il m'avait fait dans le ciel, que j'oublierai jamais. C'est vrai. Merci à lui d'ailleurs. Il m'a pas mis une émotion, hein, dis donc. Hein. Ah, on va pas commencer. Hein. Oh, pas dès le matin. Alors, magnifique histoire sur ton père. Tu résides à Bali. Hein, ouais. Et t'as quelqu'un qui a quand même beaucoup voyagé. Ta terre de cœur était la Nouvelle-Calédonie. Mm-hmm. Hein, d'ailleurs, c'est pour ça que dans le groupe, il y a aussi beaucoup de personnes de Nouméa. Ouais, c'est super. Anne-Hélène, Nicolas. Tout le monde qu'on embrasse derrière, Fleur de Tiaré et tout ça, que j'embrasse. Et naturellement, tu as beaucoup voyagé. Je l'ai noté parce que la nuit, je dors et je ne peux pas tout penser. Mais tu as été en Australie. Ouais. Tu as vraiment voyagé, toi, en Australie. Bon, tu as été en France, bien sûr, hein, quelques années, parce que tu es française. Ouais. Après, tu pars en 2001 pour suivre la carrière de ton mari. Mm-hmm. Hein. Tu as été de nombreuses années en Indonésie, à Jakarta, 2 ans aux États-Unis, à Miami, 3 ans au Vietnam, puis 1 an à Mumbai, en Inde. À Mumbai, ouais. À Mumbai, on dit Mumbai. Oui, excuse-moi, ouais. J'ai pas l'accent. Mais je l'apprends avec toi dans les livres, bizarrement. Et en 2014, bien sûr, à Bali. Tu restaures des contours de tableaux, toujours ? Ah non, ça c'est pas moi. Non, j'ai jamais fait. Ah, alors donc tu as restauré des... Non, je faisais des tableaux en résine. Ah bah c'est ça que je... Ah oui, d'accord, non mais c'est pas oui. De la récente. Oui, je peins sur le mur de temps en temps un petit peu. D'accord. Bon, ça c'était pour faire un petit récapitulatif pour Florence, de ce qu'elle est. Hein. Et puis bah, bien sûr, tu as écrit ton roman « La promesse de l'archipel » que je présente, hop, je ne sais pas si vous voyez bien, la ouais. Promesse. De l'archipel. Ok, je vais avoir une question, Florence, sur ça. Donc, celui-là, c'est 2021. Oui, début d'année, janvier. Paru 2021, Une âme à une autre, 2020. Mm-hmm. Dans ce livre, dans cette couverture-là, j'ai cru comprendre que ça, c'est toi qui l'as choisi, mais ton photographe, il voulait mettre une barbe. C'est vrai ou faux ? C'est vrai. Mais tu sais. Mais tu sais. Mais j'entends. Ah, mais c'est qu'on te raconte tout. Ah non, pas tout, heureusement. Mais non, en fait, pour t'expliquer l'histoire de la couverture, je ne voulais pas quelque chose qui soit très concret. Tu auras remarqué que mon héros, et quel que soit le personnage d'ailleurs, pas uniquement le héros, mais les autres, je ne les décris Fred. Pas physiquement. Ouais, Fred. Je ne les décris pas physiquement parce que j'aime bien que le lecteur s'imagine. S'il le préfère barbu, pas barbu, blond, brun, etc. Donc, ouais. je mets des gros traits et puis ça s'arrête là. Et donc, je voulais une couverture qui soit abstraite. Je ne voulais pas qu'on puisse identifier un physique. Bon, raté, ouais. Parce qu'on voit quand même un type ouais. De profil. Mais je l'ai trouvé pas mal. Bah oui, je me suis dit, à tous les coups, c'est peut-être son type. Bon, ah, je m'excuse pour ton mari qui est derrière. Il lui ressemble un petit peu, hein. Ouais, c'est possible. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Et puis non, je voulais vraiment quelque chose qui soit quand même assez abstrait. Ouais. Et mon photographe m'a proposé un barbu de face qu'on voyait bien. Pas du tout. Ouais, et puis finalement, on est arrivé à ça et j'ai craqué sur cette couverture. Elle est très belle. Franchement, allez. Puis ce chemin de l'archipel, bah, c'est exactement son histoire de toute façon. Pour ceux qui l'ont lu et pour ceux qui vont le lire, c'est franchement. Alors, je reprends un peu le début parce que si j'explique comme ça, c'est comme si j'expliquais tout en fait. Alors, à savoir que dans le live, on ne parlera pas tout du livre, enfin du roman, ça c'est clair. On va expliquer vaguement
Moi, en tout cas, je vais expliquer mes ressentis. Oui. Et pourquoi aussi le livre est dans « Ouvrons nos livres sur la médiumnité ». Ça, c'est important parce que on va pas mettre un livre de bricolage dans « Ouvrons nos livres sur la médiumnité hein, ». Vous pensez bien. Il y a 430 pages. Hein, et c'est gros, c'est vrai que c'est costaud. Bon, après, pour ceux qui sont qui aiment bien lire, en 3 jours, c'est lu. 3 jours intensifs quand même. Mais bon, ça se lit très, très bien. Et il y a des petits passages que j'aimerais lire plus tard, mais ça sera ton autorisation. Avec plaisir, hein, bien sûr. C'est le démarrage de la lettre. Ouais. Pour que tout le monde puisse comprendre qui est l'histoire de Frédéric Monceau, pour qu'il puisse expliquer pourquoi il a tout largué du jour au lendemain. Il a largué sa femme, ses enfants, son chien, sa petite vie bien tranquille, bien rangée, d'homme d'affaires du 440. Et puis, le burn-out total. Monsieur est parti, il a flanqué la porte à tout le monde et il ment à tout le monde surtout. Et il continue de mentir jusqu'à des chemins qui l'emmènent jusqu'à la spiritualité pour mieux comprendre qui il est vraiment. Comme beaucoup de gens d'ailleurs, on fait tous des erreurs dans la vie et on arrive à comprendre qui on est. Et dans le roman, il y a des frissons du début à la fin. On se dit, mais et tes petites pointes d'humour qu'il y a dedans. Oh, moi, j'adore ton franc-parler dedans. J'adore. J'en lirai un petit passage tout à l'heure du franc-parler parce que c'est drôle. C'est exactement ça. C'est décontracté en même temps. Alors, j'ai remarqué dans ton livre, ils ont toujours un verre à la main. Ah, c'est peut-être dans le reflet de ma vie, en fait, tu vois. Ils ont toujours un verre, Moreto. Allez, on boit un coup. Oui, moi aussi, j'ai mon grand verre d'eau, mais j'aime bien boire un coup. Attends, c'est la vie, il faut être décontracté. Et ça, c'est ça qui est bien, c'est branché en même temps. On ne s'ennuie pas dans ton roman, c'est ça qui est bien, on ne s'ennuie super. Pas. Super. Et puis, les pages sont fluides, elles sont belles, et l'écriture, elle est belle. C'est du 12, ça 14 Je ne sais plus, je crois bien. Hein. Alors, dis-moi, Florence, sur les personnages, parce que ça m'a intriguée quand même, pour ceux qui l'ont lu ou pour ceux qui vont le lire. Tu ne seras pas dans un personnage qu'il y a dans le livre. Moi, j'ai pensé à Élise. Non. Non, d'accord. Tu as pensé à Élise parce qu'elle est avocate. Elle est avocate, c'est ça. Mais non, je ne veux pas trop en dire sur Élise, tu comprends pourquoi. Parce qu'il y a une suite, à mon avis. Non, il n'y a pas de suite. On m'a demandé, j'y réfléchis. Pour l'instant, c'est pas. Il y a mon troisième livre qui va sortir là, probablement fin d'année, mais ça n'a rien à voir. Donc, non. Pas de suite. Pour l'instant, non. Mais on me l'a réclamé. Oui, parce que moi, dans mon idée, je me suis dit, mais il y a une suite. Ah, il n'y a pas de suite. D'accord. Pour l'instant, non. Bon, écoute. On verra bien. D'accord. Alors donc, du coup, pour les personnages, oui, je me suis dit, parce qu'il y a des petites touches entre ta fille, Alexandra, qui est dans le livre, elle a des petites touches de ta fille, apparemment. Oui, plus fort, Alexandra. Plus costaud. Ta fille, dans le roman. Oui. Alors, tes personnages, comment tu les as créés? C'est venu comme ça? Tu sais, ça c'est toujours une grande histoire. J'ai démarré de l'histoire de ce type qui plaque tout. Je connaissais le point de départ. Je connaissais à peu près l'arrivée. Ouais. Alors, le milieu, je me suis laissée mener par les personnages. Et comment je les ai créés? J'en sais rien. Ils s'imposent à moi au fur et à mesure et c'est assez incroyable. Je crois que ça s'appelle un vrai phénomène de création en fait. Hein. C'est ça. Intuitive aussi peut-être. Il y a un truc qui arrive à un moment, tu te dis « Ah tiens, alors bon, il y a des personnages que j'ai éliminés parce qu'ils n'avaient rien à faire là. Il y en a une, elle m'a gonflée, je l'ai tuée, t'as remarqué ?» C'est Yuli. Oui, la pauvre Julie. En sortant de discothèque, la pauvre, ça a rien pris. Oui, tu l'as vite éjectée, Julie. Éjectée, je me suis dit, elle m'a fatiguée. Allez hop. C'est vrai qu'elle n'est pas restée longtemps, mais elle avait malgré tout un rôle à jouer. Elle était chiante. Oui, bien sûr qu'elle était chiante. Il y a beaucoup de chiants dans mon livre. Enfin, il y en a une surtout.
Et donc, voilà, non, ils arrivent, les personnages comme ça, ils arrivent, ils s'imposent et je les laisse un peu faire. Parfois, ils prennent le dessus et parfois, je leur dis « Oh, c'est qui le patron ?» et je les ramène dans le droit chemin. Voilà. Mais ça me plaît quand je suis dans une session d'écriture, il me plaît réellement de les laisser faire pour voir où ils m'emmènent. Des fois, ça n'aboutit à rien et je reprends une session d'écriture beaucoup plus cadrée. Et des fois, c'est eux qui m'emmènent vers un embranchement que je n'avais pas vu, que je saisis. Je me dis, tiens, OK, on va aller là. Finalement, machine, tu avais raison. Ouais. Et ce que j'ai aimé, et c'est super parce que les personnages, ils collent tous ensemble. Alors moi, j'ai beaucoup aimé, c'est le personnage de Thierry, qui est un copain à Fred, qui a tout plaqué, bien sûr. Fred qui a quitté sa femme, ses enfants, ses chiens, ses enfants. Sa vie, bref, il est parti, alors attends, parce que j'ai renoté, parce qu'il est parti à Jakarta, il a fait beaucoup de voyages, Paris, Marseille, Jakarta, il s'est fait des petits coins, en fait, de repères pour se poser, pour réfléchir qui il était. Et, fur et à mesure du temps, il a réalisé que c'était un gros con, excusez-moi de l'expression, mais il faut le dire, c'est ça le roman, en fait. Il est tellement menteur, il est manipulateur. Il n'arrive plus à savoir qui il est. Il est paumé. Il est d'abord menteur vis-à-vis lui-même. Il se ment à lui-même. Il se ment et il est sadique un peu dans ce qu'il fait, dans ses paroles, de dire à ses ans, à sa femme, je ne te quitterai pas, alors que sa vie, elle est bordélique. J'en passe. On ne va pas tout raconter, mais c'est ça qui est bien dans ce roman, c'est que justement, cette histoire, en fait, il est peut-être morbide, comme on dit au début, un peu comme il est, mais en fait, il arrive à trouver à la fin la réponse à ce qu'il est. Mm-hmm. Donc, le chemin de l'archipel, en fait, ça l'emmène sur des routes. Bon, puis il aime bien la terre de Bali. Ah oui. Ah oui. C'est un spirituel. Il y construit sa vie future. Donc, oui, et Bali est tellement spirituel que Fred. C'est des trucs. Hein. Eh oui, Bali. Alors justement, j'avais mis une question pour toi concernant Bali. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui disent Bali, c'est spirituel, c'est une terre spirituelle. Pourquoi on l'appelle l'île des dieux? Parce que les Balinais sont hindouistes et que dans l'hindouisme, il y a plein de dieux différents. Donc, à l'origine, c'est ça. Mais moi, je le vois même au-delà de ça. Je veux dire, quand je suis arrivée à Bali la toute première fois, il y a plus de 20 ans, je n'étais pas du tout dans la spiritualité. Malgré tout, quand tu mets le pied ici, tu ressens quelque chose de différent. Je ne sais pas, tu ressens quelque chose qui te pénètre. Hein. Alors, tu peux y rester parfaitement insensible, hein, c'est le cas pour plein de gens. Mais tu as l'impression que c'est l'île des dieux. Ouais. Tu ne sais pas lesquels, hein, mais il y a un truc. Bah, j'ai repéré un petit peu les endroits que tu expliques dans le roman qui existent vraiment à Bali. Hein. Oui. Hein, tout ce que tu mets, parce que c'est ça qui est bien. D'ailleurs, je vais le notifier pour tout le monde. Alors, Fred, c'est vrai, il a une carrière fulgurante. Bon, on le sait, hein, dans la finance à Paris. Il est athée et cartésien, il faut quand même le dire. Il est athée, mais vraiment plus athée que lui. Et cartésien, il a une femme et ses deux enfants et un chien, ça on le sait. Et pourtant, il disparaît subitement sans laisser de traces, sauf une lettre. Il faut le faire. Oui. Puis je veux dire, la lettre, elle est pas mal. Alors, je vais vous la lire, parce que c'est important pour que vous puissiez démarrer ce roman. Et je peux vous dire que c'est vraiment intéressant, parce qu'on apprend beaucoup aussi. C'est que tu amènes de la culture dans ton roman. Tu nous fais voyager. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, parce que bon, je ne suis pas quelqu'un qui a voyagé autant que toi, l'Australie, tout ça, tu as beaucoup bougé, toi, hein, et c'est bien. Tu nous fais voyager. Et il fuit à la fois sa vérité, Fred. Mm-hmm. Hein? Et la relation humaine, ça c'est vrai, convaincu de ne pas être candidat au bonheur. Et oui, ça c'est vrai. Candidat au bonheur et cherche ailleurs une utilité et un sens à son existence. Et ça, c'est puissant, parce que là, dans tout ce que tu marques, tu dis, mais c'est vrai, et c'est vrai. Et puis, plus on passe les étapes, on se dit, bah oui. Alors, pourquoi tu as mis, par contre, des petits numéros jusqu'à 72? C'est les voyages? Non, je sais pas.
C'est les numéros de chapitre. Ah ouais, d'accord. Je pensais qu'au début, ça avait un sens. Ah non, non, pas du tout. Non, non, c'est les numéros de chapitre. Entre Paris, Marseille, Jakarta, nanana. D'accord. Non, non. Faisant basculer sa vie et tomber les masques. Et oui, parfois, il faut faire tomber les masques pour avancer dans sa vie. Et ouais. Et ça, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça très bien. Et ce côté spirituel de Bali qui arrive, où là, on découvre aussi Alexandra, sa fille, où il reprend contact d'ailleurs, et aussi son fils Romain, où là, eh oui, Noémie arrive, elle a fait un coma, paf. Ah, ça bug. Ouais, ça buguait, ouais, ça y est, je t'ai récupéré. Ça buguait. C'est ton père qui arrive. Ouais. J'aimerais bien. C'est ton père qui arrive, non, je rigole. Et donc, cette spiritualité qui arrive, justement, alors justement, l'histoire de Alexandra, c'est très bien ce que tu as mis, elle est partie en coma, elle s'est vue flotter au-dessus de son lit. On est dans le monde spirituel où là, on y vient, le EMI, hein, l'expérience de mort imminente, que beaucoup de gens ne croient pas à ça, mais quand ça leur arrive, ils disent « Ah ouais, mais moi, je me suis vue. Hein. Ah oui, oui, j'ai tout vu. Hein. » Donc ah ouais. Là, c'est fort. Et puis, bah, toute l'histoire qui arrive derrière. Et ça, c'est beau. Sur la promesse du refuge de Fred. Et justement, ouais. Ou au contraire, félicitera-t-elle une révélation de son être. Et là, tu vas peut-être nous dire, bah, si tu me dis qu'il n'y a pas de suite, ouais, je suis surprise qu'il n'y a pas de suite. Tu es sûre que tu nous dis ça pour eux? Ah non, non, je te promets, je te le dirai si c'était le cas. Non, pour l'instant, il n'y a pas de suite, mais c'est vrai qu'on me la réclame. Si tu veux, le cheminement pour moi, c'était vraiment un type qui vient de très, très loin. Il est complètement perdu. Spiritualité, zéro. Zéro. Amour d'autrui, zéro. Amour de lui-même, moins que zéro. Ouais, c'est clair. Un type qui se perd dans la rencontre avec le féminin, mais sans lendemain. Un type qui n'a pour moteur que l'argent et la réussite sociale. Ouais. Voilà, et qui n'a comme construction émotionnelle, psychologique, enfin, en fait, pas grand-chose, quoi. Le portefeuille, et puis ça s'arrête là. Et c'était ce cheminement qui m'intéressait pour l'amener là où il arrive, que je ne vais pas forcément dire. On sent qu'il y a une histoire d'amour qui débute, mais ce n'était pas mon but de faire une histoire d'amour. Donc, je l'ai évoqué, mais je n'ai pas voulu la conclure. Ensuite, le lecteur se fera son idée. Avec Élise. Avec Élise. On voit qu'il s'adoucit au fur et à mesure avec son ex-femme également, et puis le contact avec ses enfants, et puis son appréhension de la vie. Tout ça évolue dans un sens favorable à Fred, quoi. Ouais, et c'est chouette, hein. Et d'ailleurs, je vois que là, il y a Dominique. Je vois Dominique parce qu'elle est là. Je vois que là. Tu vois, tac. C'est bien. Ouais, le rouge du remords, t'as vu, comme ça tu vois tout ce que ça, c'est ce que je vais partager un petit peu après. Elle est super, Dominique, merci. Ah oui, Dominique, c'est une vraie romancière, elle suit tous les livres. C'est une dévoreuse de livres. Et on t'embrasse très très fort, Dominique. Ah, ouais. C'est vrai qu'on t'aime beaucoup dans le groupe et même dans l'ensemble de la chose. Alors, qu'est-ce que tu nous as mis d'ailleurs? Le rythme du roman est effréné et il est difficile de ne pas lire en une fois. Quitte à le relire une deuxième fois pour plus de détails. Et ça, c'est vrai. C'est ce que j'ai fait. Ah, c'est ce que tu as fait. Et c'est vrai. Surtout sur la fin. Ouais. Sur la fin, bah, sur toutes les lettres voilà, que Fred et Élise, tout ça se partagent. Ou Valérie, parce que Valérie, la première femme de Fred, qui, demande le divorce. Bon. Et le divorce ne se fera pas, mais bon, enfin, du moins avec le temps. Je vous laisse deviner en tout cas sur la suite. Mais je voulais quand même lire quelques petites pages et je voulais dire surtout ce qu'il y avait dans ce livre. Ben, il y a de l'humour. Et ça, j'insiste, il y a de l'humour dans ton livre. Hein. Dans les acteurs, comment tu écris, c'est superbe. Il y a de la plume distinguée, hein. Tu as une belle plume, hein, Florence. Franchement, tu peux être fière de toi parce que, comme je t'expliquais avant le live, avant d'appuyer sur le bouton, on peut enlever le nom
si on a lu ton premier livre, on relit et on se dit, mais c'est Florence Tassoni, c'est pas possible. Parce que c'est ta touche. C'est, voilà, t'as pas changé dans ton écriture, tu restes elle-même, c'est une belle écriture. Donc pour moi, c'est une plume distinguée. C'est gentil, merci. Avec de l'humour. Il y a de la folie là-dedans aussi. Hein. Il y a de la folie. Bah, ils sont tout le temps en train de faire la fête. Il y a un peu de. Allez, on boit un coup. Surtout Thierry qui emmène toujours son copain. Allez en boîte. Allez hop, on va boire un coup. Ça va être détente. De toute façon, ta vie, elle est un peu merdique. Donc, ça sera peut-être mieux que tu ailles voir un peu ce qui se passe en discothèque. Au club, pardon. Je dirais plutôt au club Med. Ils allaient là-bas. De la spiritualité. Et oui, il y en a. Surtout au milieu de chemin. Au début, non. Des bons personnages, de l'élégance, de la vie dans l'air et de la vie sur la terre. Je trouve qu'il y a beaucoup, on parle de Bali, tout ça, je trouve que c'est intéressant. Il y a des livres dans les mains de Fred aussi, parce que quelque part, il aime bien se détendre et boire un coup et lire. Mm-hmm. Je ne sais pas quel genre de livre il lit, mais il lit. Ah, je ne sais pas, il ne m'a pas dit. Il te l'a pas dit, d'accord. Donc voilà, il y a aussi des livres dans les mains de Fred, mais aussi des filles, parce que dis donc, c'est un sacré, lui. Hein, comme son copain Thierry, des femmes et des fêtes. Mais dans l'ensemble, hein. Mais dans l'ensemble. Oui, Thierry, c'est un sacré. Hein. D'ailleurs, les Thierry sont un peu comme ça. Hein. Je ne sais pas s'il y en a dans le groupe, mais les Thierry, vous êtes quand même des fêtards. Hein. Mais tu sais quoi, je ne connais que des Thierry comme ça et c'est pour ça que j'ai appelé ce personnage Thierry. Eh ben voilà, donc tu as eu des idées quand même venant. les prénoms ont un sens quand même. Hein. Ouais, ouais. Il y a surtout des chemins qui résument un accord avec soi-même. Et ça, c'est la chose la plus belle qu'il y a dans le livre, c'est ça, un accord avec soi-même à la fin. Un accord comme une note de musique, j'ai marqué. Surtout quand il est. Hein, joli. Ah, t'as vu, on s'accorde avec une petite note de musique. Bah, surtout quand il est face à la spiritualité. Ouais. Parce qu'on prend conscience de nous. Ça, c'était ma petite note à nous. Enfin, à moi, pardon. Et du coup, je vais aller voir donc un petit peu ce qu'ils nous disent dans le public, dans le groupe. Alors, bonjour les rayons de soleil. Bon, c'est gentil. Alors, on va savoir à la fin qui c'est. Oui. Eugénie, il faut la disputer. Bonjour, douce personne inconnue pour l'instant. Et oui, d'ailleurs, je pense. Bonjour, les rayons de soleil. Non, c'est pas la fleur, parce que la fleur, elle met toujours une fleur, Cornélie. Alors, avez-vous des petites questions pour ceux qui ont lu le roman? Alors déjà, Florence, on peut le trouver partout, ton livre, ou pas? Non. Non, non, on ne peut le trouver que sur Amazon. Alors, je sais que ça peut bloquer pour certaines, hein, mais je suis en auto-édition et j'ai fait ce choix d'être exclusivement sur Amazon. Alors, je suis navrée pour ceux que ça pourrait contrarier, mais il n'y a que ça. Il est en broché et il est également en librairie. Ah, il est également en librairie. En numérique, non. En numérique, ouais, j'allais dire. D'accord. Non, il n'est pas en librairie, non. Bon, non, bah, tu sais, je vis loin, la pandémie, le machin, j'ai renoncé. Ouais. Je comprends. Alors, c'est vrai, nos personnages s'imposent et nous mènent des doigts sur le plafond. Ah, c'est Maya. T'inquiète pas, c'est du... Ah oui, ça doit être Maya. Bah oui, Maya Alonso. Alors, attends, je dois absolument... Ne vous inquiétez pas, pour les chiens, c'est du live. Oui, alors excusez-moi, je ne les entends même plus, moi, pardon. T'inquiète pas. Non, mais t'inquiète pas. Bon, tu sais, de toute façon, ça va être moi après. Contre, je dois absolument les aimer. Ah oui, je sais pourquoi tu dis ça, Maya. Bah oui, par rapport à ton roman. Les moins sympas, sinon je bloque. Pour un roman qui est dans mes tiroirs, le personnage a trouvé l'astuce pour me séduire. Elle m'a raconté... Oh, j'ai pas mis mes binocles, non, mais je vous assure. Hein. Attends, je te le lis. Vas-y, pour un... Florence. Alors, c'est vrai, nos personnages s'imposent et nous mènent par le bout des doigts sur le clavier. Par contre, ouais. Je dois absolument les aimer tous, même les moins sympas, sinon je bloque. Mmh. Pour un roman qui est dans mes tiroirs, Maya, pourquoi est-il dans les tiroirs? Et le oui, personnage c'est d'ailleurs pour, l'astuce pour me séduire, elle m'a raconté son enfance et de là, point de suspension, comment ne pas craquer et comprendre sa colère et ses actes répréhensibles. Bisous, ma Florence, signée Maya. On fait ce roman dans les tiroirs, ma chère Maya. Allez, on le sort, on le dépoussière et on s'y remet. Ben oui, Maya, il faut que tu ressortes tes livres.
tes romans. Mais je suis d'accord avec toi, même les personnages les plus détestables de mon roman, en l'occurrence, il n'y en a qu'une et elle s'appelle Valérie. Malgré tout, c'est quelqu'un que j'ai croisé dans ma vie, cette personne-là. Et je ne vais pas dire que je l'aime, je ne vais pas dire qu'elle m'a séduite, mais tout du moins, j'arrive à la comprendre dans sa haine et dans sa colère. Voilà. Et donc, ouais. Et puis, on est dans la dualité, hein. Il y a l'ombre, il y a la lumière, et donc, avec des personnages gentils, il y a forcément des personnages méchants aussi. Oh oui, mais Dieu sait, malheureusement, il y en a. Voilà. Hein. Mais je l'ai vue physiquement, cette dame, parce que c'est le jour où j'ai vu justement que tu expliquais, pour la barbe de la, du photographe. Ouais. Tu as fait une petite interview, pas une petite interview, tu as fait un petit truc sur une petite demi-heure sur YouTube. Et j'ai dit, tiens, je vais aller voir ma petite Florence, là, je vais aller voir ce qu'elle fabrique là-bas. Et c'est là que j'ai vu, voilà. Donc, je l'ai vu parce que elle t'a donné des fleurs ou tu as donné des fleurs. Elle t'a donné des fleurs, je crois. Ah, mais c'est pas ma méchante, ça. Hein. Ah, ça, c'est ta gentille. Ah, bah, ça, c'est une gentille, mais elle est pas dans le roman, elle. Ah, bah oui, ça, je sais bien. c'est une actrice, d'ailleurs. Ah, d'accord. Mais tu sais, il y a quand même quelque chose qu'il faut que je te dise sur ce roman. Pour ceux qui me connaissent, et c'est rigolo parce que. Je ne m'en suis pas rendu compte quand je l'écrivais. Et c'est mes amis, mes plus proches, qui me l'ont dit après coup, qui m'ont dit, mais est-ce que tu ne réalises pas que ce roman, c'est un peu, je vais vous expliquer pourquoi. Ouais. Et en fait, ils ont raison. C'est un peu la suite du premier livre, D'une âme à une autre. Alors, je les ai regardés en disant, mais non, mais pas du tout. Alors, j'y ai pensé. Mais si, parce que c'est en fait l'histoire de la rédemption du père par la fille. Et c'est un fantasme non réalisé pour moi, quelque chose que j'adorais faire, prendre mon père par la main et lui dire, tiens, regarde, change un tout petit peu d'angle de vue, d'angle de vision, et puis tu verras, sous cet angle-là, c'est quand même vachement plus joli. Ouais. Et j'y ai pensé. Eh ben, tu vois. Et ouais, je me suis dit, mais c'est marrant, j'ai l'impression que les rôles ont été mis à l'envers, à l'inverse. Ouais. Que tu t'es mis dans la peau de ton père, justement, par rapport à la peau de Fred. Ouais, j'ai aimé que Fred, le type qui est foutu, quoi, qu'il ait vraiment une rédemption et que ce soit sa fille qui la lui apporte. J'ai trouvé ça et je me suis dit, oh, génial. Mais à aucun moment, j'ai pensé, c'est un fantasme à moi que je suis en train d'écrire. Non, non, c'est après, quand on me l'a dit. Et c'est vrai. Ouais, et surtout qu'ils se remettent un peu en accord vers la fin. Donc, on ne va pas tout dire, mais c'est là que c'est bien, parce que son fils, il l'a pourri. Hein. Qu'est-ce que tu fous là quand ils se sont vus au Club Med. C'est vrai que sa réaction de son fils Romain, j'aurais eu la même. Bah oui, mais elle est humaine hein, en même temps. Bah oui, elle est humaine. Hein. Ton père qui part, et voilà. Alors, je vais vous lire un petit passage, mais avant, j'ai vu qu'il y avait des petites choses là. Hélène, tu écris tous les jours ou seulement quand tu te sens inspirée? Alors, a priori, j'écris tous les jours, sauf vraiment quand j'ai la flemme, ça arrive. La fleur. mais je ne garde pas tout. Je garde pas tout. Après, je fais du tri, j'épure, je nettoie, j'expurge beaucoup, beaucoup, surtout en phase de relecture, comme là où je suis en ce moment, là. C'est dur. C'est sur un troisième roman, alors oui, c'est bonjour de Balaruc les Bains. Bonjour Valérie, on te fait plein de bisous. D'ailleurs, Valérie sera en live bientôt. Ah, on va parler sur les âmes qui sont parties trop tôt, les bébés. Ah, super. Ah, les super enfants, ouais, un sujet très intéressant auquel on va travailler tout ça, c'est bientôt. Donc Valérie, on te fait plein de bisous. Dis-donc, vous êtes tous matinales, c'est bien. Mais oui. Matinales. Oui, c'est super. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi nombreux. Je vous remercie. Ben, hein, t'as vu, c'est chouette. Alors, je voulais juste savoir si quelqu'un avait des petites questions à poser à Florence, peut-être concernant son roman, peut-être concernant la spiritualité. Quelqu'un me demande quelles sont tes astuces pour écrire. Je suis désolée, je ne sais pas qui vous êtes. Mes astuces pour écrire. C'est super compliqué. Un stylo et un cahier. Bah oui, après, c'est vrai que c'est une bonne question quand même, parce que de pouvoir inventer des romans et de se rappeler des scènes. En fait, je n'ai pas vraiment
j'ai pas vraiment d'astuce. Une idée me vient, un point de départ. Un point de départ me vient et avant d'écrire quoi que ce soit, il faut vraiment que j'y réfléchisse en me disant est-ce que je vais pouvoir développer ça suffisamment pour que ce soit intéressant, que ça lasse pas le lecteur, que moi aussi je me fasse plaisir, parce qu'en fait le but premier c'est quand même que moi je me fasse plaisir pendant l'écriture. Ouais, c'est ça, déjà. Que j'arrive à quelque chose de concret, de cohérent, de construit, etc. Voilà, donc si j'ai pas ce truc qui, avant même de poser le premier mot, fasse un tout qui me semble cohérent, même si je change en cours de route, alors j'y vais pas. Mais il faut que ça parte d'une idée et l'idée, en fait, j'en ai souvent tout me sert, tout et n'importe quoi de la vie de chaque jour peut être le point de départ d'un roman. Après, ouais. C'est comment on fait la construction, comment on arrive à faire un truc fermé, bouclé et ouais. Ensemble couleur, encore une fois. Donc voilà. Je n'ai pas vraiment d'astuces pour écrire. J'ai mes horaires, en revanche, ça, oui. Ouais, tu fais ça la nuit, non ? Plutôt la nuit. Je faisais ça la nuit, mais plus maintenant. J'écris en deux phases. J'écris le matin, très tôt. Il est possible que je me lève vers 4-5 heures du matin. D'accord. J'écris un peu et ensuite je réécris. Donc, quand on se quittera, là, ça sera le moment où normalement j'écris. Bon, là, je suis en correction, mais donc où je fais mes corrections. D'accord. Il y a deux phases dans la journée. Ça me fait une pause entre les deux. Puis entre-temps, il y a des trucs qui évoluent dans mon esprit. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà. Bah, écoute, continue parce que moi, en tout cas, alors tu vas rire. J'en ai lu des romans. Oui. Bon, alors, c'est pas pour te faire des fleurs, Florence. Mais franchement. Je crois que c'est le premier roman où j'apprécie vraiment. Oh, super. C'est pas pour te faire des fleurs. J'en ai lu des romans. J'ai même lu des romans jusqu'à Casablanca, des romans un peu à la marocaine où tu voyages, tout ça, ou d'autres romans. Mais là, il y a vraiment une histoire concrète, une histoire réelle, en fait, quelque part. On a l'impression que c'est réel, ça existe vraiment bien. C'est ce qu'on voit la plupart du temps au quotidien, des gens qui sont perdus, qui savent plus. Et ça, c'est bien de voir dans des romans comme ça. Et les histoires, les personnages tiennent le coup, tiennent la route. Ça tient la route. Ça se suit bien. On n'est pas perdu. On a justement envie de se dire, ah bah oui, qu'est-ce qui va se passer après? Parce que c'est, voilà, on a envie de vivre. C'est pour ça que je suis quand même surprise qu'il n'y a pas une suite. Mais bon, peut-être que tu vas peut-être cogiter. Hein. C'est pas possible. Pour l'histoire de Élise et Fred. Alors justement, je vais vous lire un petit passage. Je peux lire ou tu le lis ? Je le lis. Comme tu veux, comme tu préfères. Alors, j'ai une question. Oui, dis-moi. Est-ce que tu as déjà relu ton roman ? Non, j'arrive pas. C'est marrant, vous êtes tous pareils. Non, c'est terrible, j'arrive pas, c'est terrible. Toutes les personnes que j'ai interviewées, alors merci, je crois que Maya m'avait dit qu'elle l'avait relu, si elle peut nous le dire, mais... Et tout le monde m'a dit non, je ne l'ai pas relu. C'est marrant, non. Ça. On est obligé de le faire parce qu'on passe en phase de correction. Ça, ok. Mais une fois que c'est fini, que c'est sorti, moi, je ne peux plus. D'accord, ouais, parce que tu as passé tellement de temps. Ouais. Combien de temps tu conçus pour faire un livre comme ça, un roman? Celui-là, il a quand même une histoire particulière parce que j'avais commencé avant D'une âme à une autre. Donc, je ne pourrais pas vraiment te dire, mais je dirais, si je condense tout, hein, ouais. Je dirais 8 mois à peu près. D'accord. Et le suivant, là, que j'ai terminé, de corriger là, celui-ci, je dirais, pareil, si je condense, 4 mois. Ouais. Voilà. Sachant que… Le suivant… ne viendra pas sur ton groupe puisqu'il n'est plus question, malheureusement, j'ai presque envie de dire malheureusement, de spiritualité. J'en avais très envie. Ben, c'est normal, hein. Bah oui, s'il n'y a pas de spiritualité, il n'a rien à faire dans le groupe. Ah non, entièrement. Par contre, je le lirai. On verra. Tu sais, c'est un roman sur spiritualité, c'est différent. Puis c'est beaucoup plus sombre. Tu as le titre ? On n'est pas là pour ça. Tu as le titre déjà ou pas ? Non, on n'est pas là pour ça. Mais tu as le titre ? Il s'appellera La Claire Obscure. D'accord. Je n'ai tout entendu à côté. De toute façon, c'est pas la place du groupe, ce roman. Oui, ouais, je sais bien. Et je l'entends très, très bien. Parce qu'en plus, ce roman-là, je crois que tu l'avais mis dans un tiroir pendant plus de 10 ans, je crois. Mais c'est ça, c'est la promesse de l'archipel. Et oui, c'est ça. Ouais. Quand même. Oui, hein. Oui. Ouais. Comme quoi, on peut ressortir les romans d'un tiroir. N'est-ce pas, Maya ? N'est-ce pas, Maya ?
Allez, je vais lire. Alors, la lettre, c'est au début, donc… Ouais, ça, c'est le premier truc. Donc, c'est le premier truc. C'est juste pour vous faire voir la plume de Florence. Alors, attends que je ne me trompe pas. Normalement, je l'avais noté. Voilà, Paris. C'est le 1. C'est le 1. C'est le 1. Bon, allez, je mets mes lunettes. Hein. Alors, ne rigolez pas pour ça. Non, parce que j'aime pas trop les mettre, c'est pour ça. Non, mais je suis pareil, mais là, Alors, voilà. Allez, on va lire la lettre de Fred parce que c'est quand même… Ça commence comme ça. Voilà. Je ne peux plus poursuivre. J'ignore si vous le comprenez, mais est-ce si important pour vous ? 20 ans que je trime, que je sue, que je souffre à éplucher le KA, le 440, le Don Jones, le Nasdaq. Pour d'autres que moi. Je place, je vends, j'acquire, j'enrichis mes clients, j'engraisse ma hiérarchie, je nourris ma famille et puis surtout, je règle les factures, les impôts, tes découvertes bancaires, ma chérie, les sorties incessantes de notre fils, l'orthodontie ruineuse de notre fille. 20 ans que j'use ma vie sur les indices Nikkei, et les courbes des valeurs plutôt que n'enivrer des indices de séduction et des courbures de ma femme. Qu'est-il advenu de l'idéaliste enflammée, sensuelle et langoureuse dont je suis tombée si follement amoureuse? Comment es-tu devenue cette femme aigrie qui ne me donne plus qu'une vision triste de l'amour? Comment sommes-nous passés de la plénitude de nos corps à corps passionnés à ces occasionnels rites reproductifs, actifs, maladroits et médiocres? Dans quel conformiste moyennement bourgeois, nous sommes, nous, endormis au fil des ans. 18 et 16 ans que je tente une OPA sur la plus belle des valeurs, l'amour de mes enfants. Là aussi, j'ai échoué. Le rôle du père ne devait pas être dans mes cartes non plus. Je suis devenu gris, terne. Je suis l'homme invisible, celui qu'on ne remarque plus. Mais m'a-t-on vu un jour? Je ne vous apporte plus rien. Vous n'avez plus besoin de moi. Mon départ ne se sentira même pas. Tout juste peut-être, vous rendez-vous compte de que désormais, il vous faudra descendre le chien et les poubelles à ma place. Alors ça, j'ai bien aimé ça. C'est exactement ça. Vous continuerez exactement comme avant. Toi, ma douce épouse, tu poursuivras ta vie de femme qui a oublié d'aimer. Tes amants de passage combleront sûrement tes désirs de séduction. Peut-être que l'un d'eux, un jour, réussira là où j'ai si lamentablement échoué. Te rendre heureuse ou même simplement raviver les éclats de rire de tes 20 ans. Toi, mon fils, mon mystère depuis 18 ans, la vie ne nous a pas permis de réellement nous rencontrer. Tu suivras sans doute ton chemin en te disant encore que ton père était un nul. Tu n'auras plus à afficher ce dédain que je ne connais que trop. Je n'en serai plus le témoin silencieux. J'ose espérer que mon absence te permettra de prendre ton ampleur d'homme. Je ne doute pas que tu seras quelqu'un de bien. Toi, enfin, mon bébé, ma si jolie princesse, si volontaire, je pars rassurée en sachant que ta mère guidera tes premiers pas de femme. Ma petite fille qui n'a jamais posé un seul regard pour moi. Je souhaite qu'un jour, un homme se montre à la hauteur de tes attentes. Ce jour-là, ma fille, tâche à conserver pour toujours tes rêves les plus fous et partager-les ensemble pour qu'après 20 ans, la vie commune avec cet homme, tu puisses encore le gratifier parfois de tes sourires innocents et comblés de jeunes femmes. Je n'ai pas ma place dans le trio que vous formez jusqu'à présent. J'étais un funambule sur son fil,
attendant de chuter. C'est désormais chose faite. J'ai franchi mon point de rupture et je pars sans remords, sans regrets, sans amertume. J'ai toujours rêvé ma vie. J'ai échoué. Je vous laisse mon passé et mon présent. Je n'emporte que mon seul avenir sous le bras. Je regarde en moi tout cet amour que vous n'avez pas autorisé. Il vous encombrait. Je vous en déteste. Déleste. Déleste. C'était un lapsus révélateur. J'ai pris soin, bien sûr, de gonfler abondamment vos comptes en banque. Tout y est. Vous ne manquerez de rien. Et encore moins de moi. Je n'ai rien rangé. Je vous laisse tes lettres ouvertes sur mon journal économique, dont tout le monde se fout, avec mes lunettes qui ne me serviront plus. Je les ai enfin ôtées pour voir ma vie. Elle est droit devant, la vôtre aussi. Surtout, n'oubliez pas de sortir le chien. Ah, franchement, rien que le démarrage. Alors, excusez-moi pour au début, parce que j'ai, voilà, avec mes lunettes, tout ça, je suis un peu bigleuse. Alors, normalement, je suis hypermétrope. Parfois, je dis comme ça, c'est loin. Bon, c'est comme ça. Le démarrage, il est, ça y est, on part dans l'émotion. Paf, il claque la porte, il s'en va, il laisse une lettre. Et surtout, bah, n'oubliez pas de sortir le chien. Eh oui, c'est là qu'ils vont s'apercevoir que le père, il était là. Parce que c'était le seul qui sortait le chien. Donc, franchement, voilà, le roman, il est fabuleux. Moi, je le conseille à tout le monde, pour ceux qui aiment les romans, qui ont une belle histoire, et surtout le côté spirituel qu'il y a pour emmener ce Frédéric Manceau, jusqu'à le moment spirituel où il prend enfin confiance et conscience de ce qu'il est, d'être plus doux. Parce qu'il était un peu dur dans ses mots avec les femmes, de savoir est-ce qu'il... Puis il a été père une deuxième fois aussi avec une autre femme que vous allez découvrir dans le roman. Et là, tu te dis... D'ailleurs, quand je suis arrivée à ce passage-là, je me suis dit, mais il est fou, il va refaire encore un autre truc. Voilà, donc on vous laisse découvrir. Moi, en tout cas, ce fut un bon moment d'expliquer ton beau roman. Et d'ailleurs, merci de me l'avoir envoyé, Florence, parce qu'il va être dans ma belle bibliothèque. Et puis, voilà. Alors, est-ce que tu as quelque chose à dire, Florence? Un message? Profites-en. Non, mais tu as vraiment tout dit sur, en ce qui concerne le roman. Je crois que tu as tout dit. Aller plus loin, c'est le, comme ils disent, le divin caché. Donc, j'ai pas trop envie. À ceux qui ne l'ont pas lu et qui seraient intéressés. Ouais. Allez-y, lisez-le et puis sachez que je suis toujours en disposition pour en discuter avec vous, même si vous n'avez pas aimé, évidemment. Je veux faire un bonjour particulier en revanche, si tu m'y Génie. Eh bien, je t'autorise. Merci. Alors, bon, évidemment, à Nouméa, je vous aime tous et puis j'espère à très vite. Un bonjour très particulier à Florence Comte, que tu vas bientôt avoir pour son second livre. Je te vois pas, Flo. Je sais que tu es là, je n'en doute pas. Alors, je l'ai pas vu encore, Florence. D'accord. Tu le verras en replay. Il faut que tu saches, Génie, que donc dans son livre, Florence nous a fait l'honneur à Anne-Hélène de Nouméa et à moi-même de nous demander une préface. Donc, nous l'avons fait avec une joie infinie et avec une immense fierté. Ce livre-là, franchement, je viens là pour faire ma promo, mais en fait, non, je conférence. Elle a une très, très belle plume. Donc, vraiment, lisez ce livre. Vraiment. Moi, il arrive bientôt, le livre. Donc, je sais que j'ai hâte de le lire. Elle a une plume d'une délicatesse, d'une finesse, d'une intelligence, d'une subtilité. Elle est très poétique. Donc, il va falloir foncer sur ce bouquin-là. Anne-Hélène avec son deuxième livre, mais je crois que vous savez aussi. L'amour parce que Anne-Hélène, quoi. Ouais, Gramignano, qu'on embrasse, plein de bisous. Donc il faut noter aussi que dans La promesse de l'archipel, donc je cite L'infini espoir. Oui, c'est vrai. Mais je laisse aussi un peu tout le monde découvrir. Parce que Anne-Hélène sera aussi en live le 4 décembre, si j'ai une bonne mémoire. Et c'est une super reprise. Mais tu vas voir, j'ai 12 lives qui vont suivre et j'ai 4 belles surprises qui est prêtes pour le groupe. Pour plus tard, je ne dirai rien. Oh, c'est génial.
c'est des surprises qui arrivent, qui vont faire du bien à des personnes endeuillées. J'insiste parce que ce groupe-là, je l'ai bien ouvert aussi pour aider les gens. Ouais. Pour les lectures, ça peut vous aider. La lecture, ça m'a aidé. Moi, ça m'a sorti du gong, du désespoir, de la tristesse, de tout. Quand vous perdez un être cher, vous n'avez qu'une envie, c'est de plonger dans des livres. Parce que plonger dans la stupeur ou dans quelque chose de mauvais, de malsain, ce n'est pas bon. Il faut partir dans quelque chose de pur. Partez dans la lecture. Moi, pour moi, dans les livres, tout est écrit. La vérité est là, dans les livres. Et on apprend des auteurs, on découvre. Et le monde spirituel, bah, voilà, avec l'écriture, tout ça. Alors, Anne-Hélène, le 4 octobre, je n'ai pas encore lu ton livre, d'ailleurs, Anne-Hélène, et elle le sait, parce que moi, je lis les livres fur et à mesure. Oh, c'est un bijou. Tu vois, fur et à mesure, parce que sinon, c'est mieux. Et on a plein d'autres personnes qui vont venir. Joël Payfer, qui est médium, qui va venir pour parler aussi de son livre, de ses outils, et surtout du décès de sa fille. Parce qu'il faut aussi le savoir, c'est qu'elle a perdu sa fille d'une maladie. Ah. On entend tes beaux bébés derrière, tes beaux petits chiens. Ils sont bien, mais alors les miennes, elles sont calmes. Non, mais les miennes, on se tait. Alors, avez-vous des petits messages à nous transmettre? Je ne vois pas. Ma chamelle vanillée. Daniel Ronchin, coucou ma chamelle vanillée. Alors, je pense que c'est pour toi, Florence. Hein. C'est Chippy qui dit à Daniel, coucou ma chamelle vanillée, ma Chippy. Tu me feras tout je l'appelle comme rire. Ça, j'accepte. Hein. Alors, il y en a plein. Hein. Il y a pas mal de monde et il y aura d'autres mondes en replay. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils étaient au travail et qui verraient ça en replay. Donc, c'est chouette. Je ne peux pas vous répondre parce que je ne vois pas vos noms, mais merci d'être présent. En tout cas, je suis vraiment très touchée. Merci, merci. Tu les verras plus tard. Florence, n'hésite pas à répondre si tu veux plus tard, quand tu seras posée, pas de souci. Tu es chez toi ici. Merci. Un magnifique groupe avec des personnes géniales. Gratitude Eugénie, Florence, Anne-Hélène et les autres. C'est Nicolas que j'ai tout à l'heure au téléphone. Les petites mains de Nicolas. Bisous à Nouméa. J'en profite pour Nicolas qui fait du Reiki à distance et je peux vous dire que ça fonctionne bien. Alors, je ne fais pas ça pour faire de la pub, pas du tout. C'est que voilà, on va faire des petits comptes rendus. On s'est échangé nos soins tous les deux à distance pour voir les effets. Et là, ça va être sympa. Donc, n'hésitez pas à aller voir Nicolas. Et il fait des petits dessins. C'est lui qui me fait mes petits coussins pour mon cabinet, d'ailleurs. Oh, j'ai vu, ils sont beaux. Avec le... Ben non, tu ne peux pas les voir, ils ne sont pas finis. Ah ben si, j'ai alors, en tout cas, si. Les coussins ? Il y en a eu un. Ou alors, Nicolas, dis-moi que tu as posté une photo. Je n'ai pas pu les inventer. Pas sur les langes. J'ai mis une aile d'ange avec le soin à vous. Et c'est spécialement Nicolas qui me les fait. Alors, j'ai dû voir une photo d'un autre. Ah, il les a fait déjà et puis il ne me les a pas encore fait. Non, j'aurais pas la primeur, t'inquiète pas. Mais j'ai dû voir beaucoup de coussins qu'il a fait, je pense. Enfin, j'ai hâte de les voir, en tout cas. Super. Bon, t'as vu, hein, mais même mes coussins, ils vont se faire à Nouméa. Bah oui, je suis désolée pour la France, mais que voulez-vous ? C'est comme ça. Mais je t'informe que Nouméa, c'est la France. Oui, enfin, façon de parler, oui. autant pour moi. Pour l'instant. Alors, Florence, quelle heure il est ? Il est 10h. Moi, j'aimerais bien. Il y a une lecture que j'aimerais bien lire avant qu'on se sépare. Oui, mais je t'en prie. Je peux ? Mais je t'en prie. Parce que je l'avais noté et j'ai trouvé que c'était une autre écriture. Alors, c'est pas le. Bon, d'un côté, c'était Fred aussi qui l'avait dit. C'est la page 143 pour ceux qui ont le livre. C'est la page 143 que j'ai notée. Parce qu'en fait, c'est là où il commence à prendre conscience que Bali est quand même une terre spirituelle. 143. Bali. Bali Baloum. Ah, Bali Baloum. Ah, j'avais pensé à Maya. Non, je ne sais pas pourquoi. Bon. Oui, Balou. Balou, oui. Bali Baloum. Oui, Balou. Oh, petite pensée pour Balou, ça. Et ben, la page 143. Est-ce que tu veux la lire, toi ?
Et figure-toi que non, parce que moi, j'ai une édition que j'ai fait imprimer à Bali, je n'ai pas le même numéro de page que toi. Donc, 143 ne correspond à pas grand-chose. Ah bon, c'est 26 en chapitre. Ah, ok. Sinon, je vais le lire, comme tu veux. Non, non, attends. Je vais le lire. Attends, j'y vais. C'est parce que toi, tu as un accent bien pointu sur tes phrases. Donc, c'est le chapitre qui commence par un dîner placé. Un dîner. Ouais. Alors. Ça va te faire drôle, hein. Un dîner placé sous le signe de la France jovialité fut organisé sur la plage de Jimbaran, où les poissons, langoustes, crabes et calamars grillés furent abondamment arrosés de bouteilles de l'incontournable vin local. Arrête de dire que je picole, bon, si c'est vrai. Ah ben, non, c'est naturel, hein. Non, mais c'est vrai qu'il y a vachement de pinard dans mon livre. Oui, je te jure, c'est la fête, un peu. Les âpretés passées des négociations avaient disparu. La pression relâchée, les verrous protocolaires avaient sauté, donnant un ton débridé et détendu au repas. La plage était bondée de touristes, à l'endroit même où une bombe avait fait des dizaines de victimes des années auparavant. Les cieux étoilés de Bali avaient eu encore une fois raison des terreurs idéologiques. L'indescriptible magie des lieux opérait, encore et toujours. Lorsque le groupe se sépara, emporté par une euphorie peu coutumière, Souria enveloppa Fred et Élise de ses bras et leur dit « Regardez-moi ce ciel magnifique, allons en profiter encore ». Je vous propose un verre au coup d'État, qu'en dites-vous ? Fred se tourna vers Élise. Vous connaissez le coup d'État, Élise ? Elle eut un sourire narquois. Mon cher Fred, ma mère est balinaise, je suis une locale. Fred éclata de rire. Quel meilleur guide espérer ? Alors, je ne sais pas si tu veux. C'est long quand même le chapitre. Alors, non, tu peux t'arrêter là. En fait, c'est parce que. Non, tu peux t'arrêter là. Parce que c'est vrai que c'est long. C'est vrai que oui, c'est long. Bah oui, après, on part complètement dans le truc. Donc, du coup, on ne va pas tout laisser découvrir comme ça. Mais coup d'État, c'est vraiment un endroit connu à Bali, au bord de mer. Ouais. Oui, c'est ouais. Un endroit qui existe, qui est très connu, qui est très… voilà. D'accord. Et qui s'appelle coup d'État. Donc, d'un point de vue de la sonorité, ça fait quand même très bizarre. Dans une île où il y a eu, malheureusement, des attentats. C'était gonflé, je trouve, d'appeler ça coup d'État. Mais bon, c'était une sonorité indonésienne et ça ne se voulait pas sonner comme ça sonne, quoi. Ouais, et tsunami. Tu étais où à cette époque quand il y a eu le tsunami, justement, J'étais sur la plage. Ouais. Et Dieu merci, la vague est partie de l'autre côté et n'est pas venue du côté de Bali. Sérieuse ? Ouais, ça aurait été bon. Ouais. On était sur la plage, hein, à ce moment-là. Donc, voilà. T'as été aidée, ouais. Oui. C'est vrai que c'est terrible, hein. On le souhaite que ça ne reviendra pas, mais malheureusement, j'ai bien peur avec le climat. J'ai bien peur qu'il y a des choses qui arriveront peut-être où on ne va pas s'y attendre d'un côté. Quand on part, j'espère qu'on ne souffre pas comme les gens ont souffert, parce qu'on se met à leur place, tu vois. On se met à leur place, hein, de partir comme ça, vite fait. Voilà. Ouais. Donc, heureusement que derrière, il y a quelque chose qui suit. Ouais. Voilà. Hein ? Tu vois, on passe du rire à quelque chose de plus... Mais bon, voilà, il faut parler de tout et c'est ça qui est bien. Alors, je vais descendre tout en bas. Ça, c'était au début. La bouteille revient. Qui a dit ça ? Qui se dénonce ? Alors, ça, j'ai créé ma bouteille, Nicolas. Non, Nicolas, tu feras taper plus tard, mon loulou. C'est bien. Hâte de faire ce beau voyage avec... Ah bah oui, Isabelle, hein. Franchement, bah tiens, Isabelle sans fin, c'est sans fin le roman. Merci pour ce live, Eugénie. Gros bisous à vous deux. Merci à toi. J'aime beaucoup la manière dont s'exprime Florence et ça se ressent dans ses livres. Eh ouais. Merci, Daniel. C'est très gentil. Ouais, parce qu'il y a des termes aussi quand tu dis... Bon, non, je ne vais pas tout dire. Je vais vous laisser découvrir parce que... Non. Eugénie. Oh, étais-tu cette Eugénie ? Donc voilà, donc j'avais une folle envie de vous présenter le roman de Florence pour la reprise des lives, parce que vous pensez bien que c'est bien de commencer en douceur aussi selon les dates qu'on avait envie de faire, et puis bah, c'est surtout tous les autres lives qui arrivent derrière. Nous allons avoir Sonia Barcala qui va suivre la semaine prochaine dans 10 jours, où là on va parler justement de l'EMI et de l'OBE, hein. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ben justement tout sera expliqué dans le groupe de ce qui s'est. Bah, voilà, elle a fait un faux départ sans Sonia Barcala.
et elle explique tout, et elle s'est battue pour justement expliquer que ça existe bel et bien, comme Dion, non, Dron, comment elle s'appelle, la dame avec les cheveux frisés, alors, vous allez tous m'aider là, Madame Dron, qui a fait une mort imminente. Ah. 45 secondes. Nicole, voilà, Nicole Dron, je cherchais son prénom. Pareil, elle a vécu Nicole Dron. Elle a, voilà, Nicole Dron, Dominique, notre sauveuse qui arrive, clac, clac. Bon, j'ai le nom, il y en a trois qui suivent. Hein. Il y en a trois. Donc, Frédéric Duqueux, Nicole Dron. Bisous, Monique, Frédéric. On voit ça. Eh bien, Frédéric, c'est pareil. Frédéric, je t'embrasse parce qu'on va s'avoir au téléphone demain. Oui, c'est ça, c'est demain. Pareil, tu vas faire un live sur, malheureusement, la disparition de ta fille qui a eu une leucémie. Et le livre, il va être poignant. Ça va être, il y a vraiment des très, très beaux lives avec de l'émotion. Et voilà. Et surtout, les personnes arrivent à reprendre un peu terre et surface. Parce que quand on perd un être cher... Alors moi, j'insiste, je vais en profiter parce que je reprends les lives, de dire, les gens qui disent « Oh, mais t'inquiète pas, un deuil dans 2 ans, t'oublies. » Alors moi, ça, je ne veux plus l'entendre. Ah non. Je ne veux plus l'entendre parce que quand on perd un être cher, on ne l'oublie pas déjà. Et puis, ils sont toujours dans nos cœurs et ils sont loin d'être partis parce qu'ils sont présents. Et bien plus que vous qui, justement, disent « Au bout de 2 ans, t'oublieras. » Un deuil, c'est un deuil. On prend le temps qu'il faut pour faire un deuil. S'il faut faire 10 ans, on prend 10 ans. S'il faut 4 ans, un deuil, on prend le temps. C'est une déchirure. On perd un être cher, un mari, une femme, un enfant, une mamie, une maman, un papa. Et voilà. Un chien, parce que on ne parle pas des animaux, mais les animaux, ce sont nos bébés, nos amours de compagnons. Donc, tout ça, c'est pareil. Et on arrive à revivre. Et c'est ça l'importance du groupe, c'est revivre. Absolument. Derrière, parce que la vie est belle et il faut en profiter et de toute façon, on les rejoindra. Et ce petit côté spirituel qui est bon à comprendre. Absolument. Voilà. Moi, j'ai écoute, tout. À nouveau, je sais que les commentaires, et puis on te le dit souvent, ouais. Mais moi, je te remercie pour ce groupe. Encore une fois, vraiment. Il est merveilleux, tu as ta façon à toi de l'animer qui est ouais. Entière et pleine et aimante et bienveillante et merci quoi, merci. Tu es trop génie. Ben écoute, je sais pas qui m'a guidée mais je pense que ils m'ont bien guidée là-haut hein, parce que je veux dire depuis toute jeune je percevais déjà mais bon voilà et puis ben, quand ma maman est partie que j'embrasse, je sais qu'ils sont là, je sais. Bon, ils ne sont pas tout le temps là, heureusement, ils ont autre chose à faire, mais ils sont présents, nos êtres, comme toi, ton papa. Yes. Tu vois, le pardon, c'est fait. Hein, il a fallu qu'il parte pour qu'il y ait un pardon, c'était fort. D'ailleurs, ce livre est très, très fort. Ben voilà, le groupe, il est là, il tient la route. Il y a des belles personnes dans ce groupe. Puis ceux qui ne se sentent pas à leur place, j'insiste, il faut juste faire demi-tour. Ça, voilà, vous faites un petit talon. Comme hop, on tourne et vous allez trouver votre autre route parce que ça veut dire que ce n'est pas la vôtre. Ouais. Ouais, tout simplement. Ouais. Ouais, je me sens bien dans ce que je fais et j'aime beaucoup te recevoir. C'est la deuxième fois. Oui, je suis très fière. Merci. Ouais, ça fait plaisir. Alors du coup, bah, y a pas d'autre chose. Moi, j'ai fini ce que j'avais envie de dire sur le cœur. Là, je vois qu'il y a quelque chose par contre avant de partir, Florence. Tiens. Oui. On n'oublie pas car nous les avons auprès de nous au quotidien. Mon père est avec moi chaque jour. Ah, Nicolas. Eh ouais, Nicolas. Parce que ça, c'est pareil. Alors, j'insiste, hein, je ne suis pas là pour faire du briefing, mais c'est important parce que je trouve que ça me gave parfois. Et j'aime bien employer le mot gave parce qu'il faut être franc. Moi, je suis quelqu'un de franc. J'aime bien dire les choses. C'est que arrêtez de dire que les gens qui se suicident ne vont pas dans la lumière. C'est faux. Tout le monde va dans la lumière. Et il y a des très bons médiums qui pourraient vous le dire, mais il y a des médiums qui parfois disent qu'ils ne vont pas dans la lumière. Et moi, ça, pas bah non. Moi, je pense comme toi. Voilà. Mon meilleur ami s'est suicidé et je sais qu'il est dans la lumière. Et
c'est un choix qu'ils ont fait. C'est un karma, c'est un choix. Il faut le respecter. Et ils sont très, très bien là-haut. Et ils nous aident aussi. Donc voilà, j'insiste parce que c'est quelque chose que je vois souvent. Je me suis dit, Eugénie, il va peut-être falloir que tu le dises quand même dans tes lives parce que arrêtez de dire ça. Est-ce que vous l'avez vu déjà que les suicidés ne voyaient pas la lumière? Non. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu vois? Donc voilà, il y a plein de sujets comme ça qui vont arriver et c'était une belle pensée pour toi, Nicolas, pour ton papa. Voilà. C'est super. Voilà, bah voilà. Moi, en tout cas, bah, je vais vous laisser. Eh bien, mille merci. On va vous laisser. Mille merci à tous. Ouais. Hein. C'est super, un bon retour. Et puis, belle rentrée à toi avec ce groupe, Eugénie. Ouais, vraiment. Belle rentrée. Bah oui, je suis contente. Et puis, dis-moi, quel temps il fait à Bali, là? Magnifique. Chaud. Ah, ouais, ouais. Bah, nous, il fait bon, mais il fait pas très... Ah oui, il fait chaud. Ah, tu m'énerves. Ça commence. 35 degrés, 25, 30. Ouais, humide. Ça te va bien, Bali, en tout cas. Merci. Bisous à tous, hein. Ouais, bisous à tous. On se dit à très bientôt. Et puis, bah, pour ceux qui regarderont le live en replay, bah, voilà, bienvenue. Tu m'autorises de le mettre sur YouTube? Bien sûr. On met sur YouTube pour ceux qui verront et qui le verront. Ah, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman. Alors, attends, j'insiste. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman qui repose en paix. Vous pouvez me conseiller de faire quoi? Ah, alors là, par contre, ce n'est pas le même groupe, là. C'est qui, ça? C'est Isabelle, ça, à mon avis. En tout cas, bon anniversaire à votre maman. Bon anniversaire à votre maman. Je ne sais pas qui c'est. Bon, ce n'est pas bien grave. Mais bon, je ne peux pas faire grand-chose, hein, vous savez, à part juste lui dire bon anniversaire. Allez, oui, allumez une belle pensée de lumière. Allumez une belle bougie. Voilà ce que vous pouvez faire. Oui, bon, allez, on va s'écarter sinon. Alors, je refais voir vite fait la promesse de l'archipel de Florence Tassoni. Un très bon roman que je conseille. Voilà. Et puis, je n'ai pas d'autre chose à dire. Oui, tu seras en préface pour Florence Comte. Que j'embrasse, notre Florence aussi, vous avez le même prénom, et Anne-Hélène Gramignano qu'on embrasse aussi, et tout le monde dans le groupe. Alors, tu sais où on se coupe ? Oui, pardon. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu as perdu l'habitude. Oui. Live Studio, c'est ce que je veux dire. Bisous à tous. Bisous, Florence. Et à très vite. Alors, je coupe. Live Studio. Okay. Salut Florence. Salut. Et continue de nous faire rêver. Ça fait du bien au cœur. Alors, je vous embrasse tous. Je voulais juste vous dire, avant de couper la réalité de la vidéo, alors, la semaine prochaine, nous avons Sonia Barcala. Je vais faire un petit live pour expliquer les livres. Sonia Barcala, très très livre, le faux départ, hein, mais en fait ça va être puissant. Nous avons juste après Valérie Traîneau en live. Bah, d'ailleurs, j'ai pas. Attendez, parce que je sors ma petite fiche. Ah oui, attendez. Parce que c'est important de le savoir. Donc aujourd'hui, on a eu Florence, dimanche 10 octobre, où je notifierai Sonia Barcala, où on parlera des OBE. Hein, et de EMI, Valérie Traîneau, le samedi 16 octobre, dimanche 7 novembre, Christine Lamour pour son livre, un roman aussi, c'est un deuxième petit roman où elle parle des bébés qui sont partis au ciel, donc là aussi c'est fort intéressant, toujours intéressant. Dimanche 21 novembre, Delphine Delbove, où là nous allons parler sur la spiritualité pour son livre aussi. Anne-Hélène Gramignano, le samedi 4 décembre, c'est pareil à 9h, heure française. Voilà, Béatrice Furet, nous avons le 12 décembre à 10h, où là nous allons parler aussi de son livre très poignant, Accepter se relever, où malheureusement elle a perdu ses deux garçons. Ça aussi, ça va être poignant. Hein, y a des histoires très, très... très très poignante. Et bien sûr Frédéric Duqueux que je vais avoir au téléphone demain, nous allons mettre une date, je pense que ça sera certainement
peut-être en décembre ou janvier, on va voir selon l'opportunité. Ah oui, j'ai oublié, pardon, le 15 novembre, nous avons Joëlle Pfeiffer, qui est donc médium voyante, radiesthésie, une très très grande médium qui a des grandes capacités et qui a perdu sa fille aussi, il faut aussi le savoir. Elle a écrit un très beau livre sur ma vie de médium. Et bien sûr, nous avons Florence Comte les livres, ma chère Flo-Flo, le 20 février à 10h15. Rien n'est grave, mais tout est parfait. Et nous avons 4 belles surprises, du moins de mon côté, que je vous prévois. Donc, je ne dis rien. Voilà. Je vous souhaite une belle journée à tous. Et puis, continuez, partagez des livres sur la médiumnité. N'hésitez pas, j'approuve ou j'approuve pas, parce qu'il y a des personnes que j'approuve pas. Il faut savoir qu'est-ce que c'est le groupe. C'est ouvrons nos livres sur la médiumnité. Naturellement, ce n'est pas ouvrons nos livres sur la voyance ou ouvrons nos livres sur le bien-être. Non, ça va dans le bien-être, mais la médiumnité, c'est différent. Voilà, j'avais juste envie de dire ça, c'était important. Je vous embrasse de tout cœur et puis à très bientôt. C'est Live Studio.